Au milieu des montagnes de la Drôme s'est installé en 1976 un homme au chemin de vie pour le moins tourmenté. À travers cette entrevue, il va nous révéler comment les événements qui se succèdent dans notre existence peuvent prendre sens quand nous nous offrons le temps de les élucider, de les comprendre. Ce chemin de discernement, Thierry l'arpente de souvenir en souvenir depuis son enfance. Ainsi, à 63 ans, en pleine activité sur une ferme extensive en production ovine, surgit le loup. Au début son ennemi, avec 18 attaques, il décime plus de 100 brebis. 3 ans après, s'opère chez Thierry une métamorphose. Cet ambassadeur dérangeant du sauvage qu'est le loup devient alors pour lui un colocataire légitime du territoire. L'évolution de mon attitude pourrait paraître incompréhensible parce que je suis passé pratiquement de la haine à l'empathie vis-à-vis du loup. Alors de la haine à l'empathie, ça fait une trajectoire pas forcément compréhensible. Éleveur et ingénieur agronome sont quelques-unes des nombreuses casquettes de Thierry. C'est grâce à ces deux identités qu'il va faire la rencontre de cet ambassadeur du vivant, qui selon lui est un révélateur à la fois personnel et sociétal. Le loup est révélateur de la posture humaine sur cette terre ou sur ce territoire. On est dans une guerre ontologique, une guerre des paradigmes. La guerre des paradigmes, c'est, pour essayer de faire simple, expliquer, c'est le paradigme de l'homme et puis la nature, et de l'homme et EST la nature. Voilà. Donc entre l'homme et la nature et l'homme et la nature, c'est tout simple, on a perdu un S. Et ce S, il est déterminant d'une voie qui peut être une voie sans issue pour l'humanité. Et donc ça, c'est très très important de comprendre que ce S signifie symbiotique. Et ça revient à dire que l'enjeu global, c'est passer de l'anthropocène où l'homme et puis la nature au symbiocène où l'homme et la nature, ou en tout cas de tenter de conjuguer ces deux paradigmes-là. Comme une des dernières pièces dans son itinéraire de vie, le loup se réinstalle dans une cohabitation sans permission qui va mettre en évidence les incohérences de sa posture d'exploitant agricole. Une posture de domination et d'extraction de la nature, alors que son intention de départ était de vivre avec la terre. Afin de mieux comprendre cette erreur d'orientation, Thierry nous invite à une rétrospective. Élevé sous les paillettes de Deauville, société du paraître, il va développer un besoin de donner du sens à sa vie. Son père décède lorsqu'il avait 3 ans, et sa mère distante affectivement le délaisse quelque peu. Un déficit d'imprégnation parentale et sociétale s'installe, et crée chez lui un fort besoin de trouver son apparentement, sa stabilité. La mère, MER, entre dans sa vie. Et en tout cas, je retrouve dans la mère une forme de matrice qui m'enseigne, qui me fait grandir, qui me donne confiance en moi alors que je n'avais pas confiance en moi chez moi. Donc ce monde parallèle, je le dois à la nature, à l'expérientielle nature. Ça, c'est la première initiation dont je voudrais parler. Et en fait, quand je parle de retrouvance avec le loup, c'est cette retrouvance-là qu'il y a, qui se joue. C'est la grâce de la vulnérabilité, la grâce de savoir qu'on peut être prédateur, mais être prédaté, qu'on est fragile, et que l'attention est important. C'est-à-dire, j'ai développé une attention forte dans ces moments où on construit des barrages par rapport à tout ce qu'il y a à mettre en œuvre, l'agencement des éléments naturels. Et avec le loup, j'ai retrouvé aussi cette dimension d'attention et d'intensité. Donc ça, c'est la première initiation qui recolle avec le loup dans la retrouvance. À 25 ans, le 31 décembre 1975, une deuxième initiation vient éclairer Thierry. Au nord-ouest du Nicaragua, il part avec 2 amis coopérants explorer le cratère du volcan Fosiguina. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Ils se perdent sur le chemin du retour. Au bout de 5 jours sans eau, un des 3 compagnons décède.
Thierry se retrouve en situation de survie. Et alors dans ce volcan, il se passe la chose suivante, c'est que au moment de mourir, puisque au bout de 5 jours, on n'avait pas bu, on était vraiment dans un état qui faisait que on marchait à quatre pattes et puis le cœur se mettait à battre très fortement. On était complètement épuisés. Hein. On buvait notre urine pour essayer de se désaltérer. On mâchait des plantes et tout. Il y a eu un effondrement de mon contrôle. Un effondrement d'une forme de suffisance où j'étais confronté au fait que j'allais mourir. Bon. Et cette confrontation m'a obligé à lâcher prise, mais vraiment lâcher prise. Et dans ce lâcher prise, alors que le collègue était mort à côté, je suis initié à cette idée, à ce sentiment viscéral, fort, que je fais partie de la soupe cosmique. Hubert Reeves parle de poussière d'étoiles. Voilà. Et je sens que mes atomes vont rester dans la soupe cosmique. Et ce moment-là me fonde être microcosmique. Donc quand je parle de l'homme et la nature, il y a cette dimension sur laquelle j'étais initié qui est l'homme et le cosmos. L'homme et le cosmos parce qu'il est poussière d'étoiles. À partir de ce moment-là, ça te fonde apparenté au vivant. Toutes les formes de vivant que tu vas retrouver sur Terre sont tes cousins, sont tes frères. Cet apparentement, ça concerne aussi la fourmi, mais c'est jubilatoire, quoi. Je suis apparenté au vivant à travers la saga cosmique. C'est génial. Et le bouchon qui existait entre mon intérieur et l'extérieur cosmique, tout d'un coup saute. Le plafond de verre explose. Quand je rencontre le loup, après avoir dérivé et glissé, avoir pris, comme je dis, la maladie de la modernité, de la technicité, le loup m'est étranger. C'est-à-dire, j'ai la haine, j'ai la rancœur vis-à-vis du loup. Sauf que 2 ou 3 ans après, la mer et le volcan, ces deux initiations, je les retrouve et l'initiation d'être microcosmique me remet dans un apparentement au loup immédiat. Pour bien comprendre la signification de cette piqûre de rappel du loup, il faut revenir 40 ans en arrière. Suite aux initiations symbiotiques de la mer et du cosmos qui l'ont fait grandir en conscience, Thierry ressent un fort besoin d'un retour à la Terre, qui honorerait son contrat personnel de cohérence. Mais à l'image d'un phare qui guide et éclaire par intermittence, Thierry, dans son retour à la Terre en 1976, naviguera entre paysan qui vit avec la Terre et exploitant agricole qui vit de la Terre. Aux périodes justes où il défend le to bio or not to bio, succèdent des époques plus sombres. La performance génétique qui épuise son troupeau de moutons, mais lui rapporte les premiers prix au salon de l'agriculture. Par ce tremplin de reconnaissance, il passe de la fourche à la fourchette dans de la représentation agricole, jusqu'à devenir président de la communauté de communes du Diois. En 10 ans, à son insu, il commence à vivre hors sol et devient autiste à son environnement. En 2008, après avoir cofondé la Biovallée dans la vallée de la Drôme, il décide de revenir à ses moutons, tout en cofondant avec Éric Julien l'école pratique de la nature et des savoirs. L'intention étant de relayer dans notre monde matérialiste l'inspiration du peuple autochtone Kogi, vivant dans les montagnes de Santa Marta en Colombie, peuple prônant la justesse du rapport au vivant. Son exploitation fait alors partie prenante de l'EPNS, et un groupe de jeunes agriculteurs vient à se raccrocher au projet. Moment idéal pour le loup de venir interpeller Thierry. Et alors la première attaque, 15 mai, la 18e attaque, 15 décembre. 18 attaques, ça veut dire qu'il y a une meute avec des jeunes qui ne nous lâchent pas. Comme on était dans le déni, on n'est pas préparé du tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas de patou.
Le troupeau, on a 700 brebis, sont à la disposition de la meute. Et moi, ça m'oblige à aller avec un fusil, avec un pistolet d'effarouchement qui imite le tir des chasseurs. Je me dis, puisqu'il n'y a pas de berger, puisqu'il n'y a pas de patou, il faut que je m'y colle, quoi. Et à mon insu, quelque chose se passe. C'est que le paysage qui s'était banalisé en 45 ans avec ce dont je parlais, c'est-à-dire mon retrait d'une relation sensuelle, tout d'un coup se réenchante. C'est-à-dire que comme je regarde par où ils vont passer, comme je regarde s'ils sont sur les crêtes qui me guettent et tout, je joue un peu à cache-cache avec eux. Au début, je me mets à la lisière, puis après, je me mets carrément dans la forêt. Dans la forêt, il se passe des choses dans le rapport aux arbres, dans les odeurs, dans les bruits. Et quelque part, je renoue avec mes sens et je renoue avec mon animalité. Et tout ça, c'est à mon insu. C'est comme la mer, à un moment donné, quand j'étais jeune, qui m'élève et qui m'éduque. Là, c'est le loup qui m'oblige à tout ça, quoi. Voilà. Et qui va assez loin dans le sentiment ou de la vulnérabilité dont je parlais avec la mer. C'est-à-dire que la mer, elle efface le barrage le soir, mais là, le loup, il devient prédateur, alors que c'était moi le prédateur. C'était moi qui gérais le rapport à la nature dans un sens unique, qui faisait de l'extraction. Là, tout d'un coup, je retrouve dans la nature une intelligence pratiquement égale à travers tout ce qu'elle est capable de faire au niveau de la meute, de son mode de vie, et de ces stratégies que j'ai découvertes, mais qui étaient presque d'égal à égal. Et ça, être remis à sa place, après avoir été quand même dans la présidence d'un comité de communes, dans une forme de domination, une ferme vitrine et tout ça, le loup, c'est vraiment le grain de sable que je retrouve de la mer, mais c'est le mauvais grain de sable. Et donc, j'ai la haine. J'ai la haine qui est difficile à gérer avec les jeunes. Mais les jeunes, quand on arrive à 20 brebis en infirmerie et où on se bat contre les mouches et les vers qui gagnent dans les plaies, et qu'on essaie de sauver des brebis, là, ils se mettent dedans, ils sont immergés dans la réalité de ce que c'est que le loup, quoi. Comme on n'a pas de berger, on devient créatif. On devient créatif dans le sens de, eh ben, sur la montagne, on va mettre en place une caravane comme on n'avait pas trop le temps parce qu'il fallait faire les foins, on va inviter des écologistes qui font toujours la leçon aux paysans en disant, en leur faisant vivre la nuit d'angoisse quand les loups arrivent. Le préfet, il en a marre de payer, hein, c'est-à-dire à chaque brebis, c'est plus de 200 euros qu'il paye. Et il nous envoie les louvetiers qui se mettent en place. Dans une caravane qu'on avait mise en haut toute la nuit pour essayer d'éliminer des loups. C'est-à-dire que on avait le droit à ce tir de défense. Et donc le conflit avec les jeunes, il n'est pas facile parce que qui prend la décision de dire au préfet, OK, venez sur notre ferme pour que les louvetiers arrivent, c'est pas facile. C'est une discussion qu'on a. Sauf que quand l'infirmerie est pleine, là on commence à comprendre l'importance de réagir et de faire quelque chose. Le loup, relayeur de la mer et du volcan, permet à Thierry de se plonger de nouveau dans sa pratique symbiotique. Nous sommes alors en 2014. Un nouveau défi se présente à lui, un cancer métastatique. Pour Thierry, sans savoir expliquer pourquoi, ce déséquilibre de santé est sans doute en lien avec le déséquilibre de son rapport à l'environnement. Toujours en contact étroit avec le peuple Kogi et Éric Julien, ils décident ensemble d'aller consulter ces experts du rééquilibrage de la santé.
Le loup, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'affect des viscères, quoi. Et le cancer, encore plus, puisqu'on m'annonce 3 ans d'espérance de vie, c'est-à-dire 1 000 jours à Léon Bérard, où je suis suivi. Et 1 000 jours, c'est-à-dire le lendemain où on fait l'annonce, j'en ai plus que 999. Hein. Donc je commence, comme dans les prisons, à mettre des petits bâtons. Voilà. Je vais voir les Kogi par rapport à cette question du loup. Et les Kogi me parlent de mon glissement dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai fait de l'extraction et je n'ai pas respecté la nature. Si je fais un effort par rapport à respecter la nature, ça ira mieux par rapport à mon cancer. Si le loup continue d'attaquer malgré qu'on peut convoquer l'esprit des loups, eux disent qu'ils vont s'en occuper et moi, ils me disent qu'il faut que tu le fasses de ton côté, ce qui me met dans une situation non plus de haine, mais de dialogue avec les loups quand les Kogi me disent ça. Et improbable, parce que quand on est dans la haine, on n'a pas envie. Voilà. Et ils disent, les Kogi, des écologistes, on ne peut pas trouver plus écologistes, et s'ils continuent, il faut faire des exemples, c'est-à-dire vous régulez, vous en tuez, vous vous débrouillez, mais en tout cas, il faut qu'ils sachent qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Et ça, c'était étonnant, parce que de la part des Kogi, j'aurais voulu que les écologistes entendent la parole des Kogi en disant non, non, mais là, il faut mettre des limites, quoi. Ne vous laissez pas faire. Voilà. Les Kogi s'occupent de me rééquilibrer. J'avais 12 foyers métastatiques, c'est-à-dire que j'avais un squelette qui était un vrai arbre de Noël. Et donc, je demande à mon médecin traitant de me faire une scintigraphie, que je fais. Et le radiologue, il sort de la salle et il me dit c'est incroyable. Tout a disparu. C'est-à-dire que tous vos foyers métastatiques, à part un qui est sur le crâne, qui me gêne toujours un petit peu, tout a disparu. Donc ce qui a changé en moi, c'est de comprendre justement que notre modernité est très suffisante, elle est fermée sur elle-même. Ce qui a changé en moi, c'est que la dimension que j'avais entrevue ou sur laquelle j'avais été sensibilisé dans mon initiation cosmique d'être apparenté au vivant, fait que le loup est là et je retrouve ça, cette inspiration. Et il y a une prolongation aux autres animaux, c'est-à-dire à mes vaches, à mes moutons, aux chiens, enfin voilà. C'est-à-dire que le réflexe que ce paradigme de l'homme et puis la nature nous conduit à faire, c'est un réflexe de réification, de chosification de l'animal. À partir du moment où on rentre dans cette idée qu'on est apparenté, c'est-à-dire que l'animal, il n'est plus une masse, il est plus un troupeau. Alors un jour, j'étais en trac par rapport au loup, et tous mes sens aiguisés, j'ai entendu un bruit dans un buisson derrière, et je me disais, ce serait quand même pas le loup, parce que de l'autre côté, à droite, il y avait le troupeau qui s'énervait et qui s'excitait. Et là, qu'est-ce que je vois apparaître ? Une brebis, un peu comme celle-là, blessée de partout, sanguinolente. Et en général, les brebis, qu'est-ce qu'elles font ? Elles vont rattraper le troupeau. Et là, elle se dirige vers moi. J'étais assis sur un petit rocher. Et elle pose sa tête comme ça, sanguinolente, sur mon genou. Elle macule mon pantalon de sang. Et je la caresse sur la tête. Et à un moment donné, elle se redresse et ça a duré 30 secondes, mais ça m'a paru être une éternité, ce contact avec cette brebis qui me remerciait d'une certaine façon d'être gardien du troupeau, mais qui, elle, avait succombé au loup et elle essayait de rejoindre le troupeau. Elle a redressé sa tête
j'ai les larmes qui me sont sorties des yeux. Elle m'a regardé et puis elle est repartie trébuchante vers le son du troupeau. Et je me disais qu'elle avait très peu de chance de le rattraper, mais ça a fondé cette idée que le troupeau, c'est pas une masse, ce sont des individus. Et cette brebis venait témoigner de sa relation individuelle à son berger. Là, je reprends une relation individuelle à la brebis à travers le loup, qui démassifie le troupeau, quoi. Et ça change beaucoup de choses en moi. Le rapport en forêt, c'est-à-dire sentir les arbres, sentir l'humidité du matin, l'humidité du soir, la transpiration de la forêt. C'est des choses, quand tu es assis sur ton tracteur, tu as une cabine autour de toi, tu es séparé de la nature. Et là, le loup t'oblige à t'immerger, à te remettre dans la nature, parce qu'il faut le pister, parce qu'il faut essayer d'éviter qu'il attaque et tout ça. Et à partir de ce moment-là, le monde qui est en nous et qu'on a oublié rentre en toi à travers ce que ouvre cette sensualité au loup. Et à partir du moment où ce monde dont tu as vu les capacités de résilience quand l'homme n'est pas là, tu te dis ces principes de résilience, puisque le monde est en toi, sont en toi. Et donc tu prends confiance dans ta capacité ou dans ce que ton corps est capable de faire, puisque le monde est en toi, en termes de résilience, sans le bombarder trop chimiquement. Ça ne veut pas dire que j'abandonne les produits chimiques, j'en suis pas là d'abandonner ça, parce qu'il faudrait vraiment une très grande confiance, et c'est un risque. Et à Léon Bérard, il me dit, faites surtout pas ça. Donc j'en suis pas là. Mais peut-être qu'à un moment donné, je le ferai, parce que là, je suis à 10 ans maintenant, où on m'avait annoncé 3 ans d'espérance de vie. Donc le monde, quand le monde est en toi, et que le loup t'a mis sur un niveau d'attention au monde qui n'a rien à voir à travers renouer avec tes sens de ce que tu avais avant dans ta cabine de tracteur, eh ben, tu as forcément une forme d'empathie qui commence à naître par rapport au loup. Mais comment communiquer ça à des collègues qui souffrent, et moi j'ai souffert aussi, pour pouvoir en parler? C'est là où je sens que ce qui a changé en moi n'est pas forcément réplicable, parce que c'est une retrouvance des initiations que j'avais eues à la mer, des initiations cosmiques que j'avais eues, qui font que ça vaut pour moi. Il y a peut-être des choses à prendre pour les autres qui sont venus aussi pour un autre rapport au territoire, un autre rapport à la nature, mais il n'y a aucune leçon à faire sur on devrait se comporter de cette façon, où ma métamorphose est à votre portée. Voilà. Pour cette métamorphose dont parle Thierry, le loup, le cancer et les cogis sont 3 accélérateurs de conscience qui redéploient son être au monde dans une culture de l'égard. Égard aux animaux de la ferme, qui deviennent des sujets et non plus des objets exploités, égard à son écosystème ferme, qui prend corps dans une transition permacole, qui accueille le sauvage, égard à son territoire biovallée, devenu existentiel pour lui, et qu'il aimerait voir devenir un territoire symbiotique. Cette culture du prendre soin à de multiples niveaux métamorphose le « je pense donc je suis » de Descartes par un « je pense donc je suis ». Cette manière qu'a le loup de se rapporter à son territoire, elle est intéressante parce que c'est une manière d'être vivant que d'établir un rapport à son territoire. Et quand on est dans une pratique symbiotique, on peut être
dans quelque chose qui est de l'ordre de la bio-inspiration territoriale. Et le loup est bio-inspirant du point de vue de son rapport au territoire. Voilà. Et la façon dont il se socialise en meute aussi, et qu'il a donc cette capacité sociale et individuelle et de rapport au territoire. Voilà. En parallèle à son expérience d'évolution personnelle de ces 10 dernières années, l'art territorial développé par l'association Biovallée arrive à son point de maturité. Thierry se voit alors rêver d'une métamorphose du titre de Biovallée à celui de Saint-Biovallée. Aujourd'hui, on a mis en place un projet de territoire sur l'ensemble de la vallée de la Drôme, qui est une vision, mais qui a un acteur parmi d'autres, qui s'appelle l'association Biovallée. Voilà. Et l'association Biovallée, je dirais qu'elle est passée de cette culture du ménagement du territoire à une culture du pacte écologique. C'est-à-dire que dans cette association où il y a quatre mondes qui cohabitent en termes de collège, le monde politique qui a été à l'impulsion de ce projet de territoire, le monde économique qui trouve son compte en vendant mieux ses produits avec la marque Biovallée, le monde associatif et le monde des habitants, ces quatre collèges-là sont dans un pacte écologique au niveau culturel. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour vivre et habiter ce territoire en précaution. En précaution des ressources, en précaution des sols, et donc on en a fait la démonstration avec l'agriculture bio, puisqu'on est la plus grande concentration de France d'agriculteurs bio, et on avait un slogan qui redonnait de la dignité au territoire. Ce slogan, c'était « passer d'un arrière-pays d'une époque productiviste et d'intensification agricole à une époque où on attend de la qualité ». Et donc, ça nous faisait passer d'un arrière-pays à un avant-pays de la qualité. Et cet avant-pays de la qualité, c'était ce qui redonnait aussi de la dignité et de l'envie sur ce territoire. C'est pour ça que, de temps en temps, quand on me parle de l'origine de Biovallée, je dis « elle est devant nous ». C'est quand on rentrera dans une pratique symbiotique, c'est-à-dire où les habitants auront pris en charge le projet de Biovallée et pas simplement les entreprises pour vendre mieux leurs produits, qu'ils auront pris en charge Biovallée parce qu'ils y trouveront leur compte d'un point de vue personnel. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement d'habiter en précaution un territoire, mais aussi d'être habité par ce territoire. Et d'être habité par ce territoire, c'est une pratique symbiotique où le loup est un révélateur. C'est-à-dire que le loup, il nous permet de se dire, à partir du moment où le loup est accepté en Biovallée, on accepte la cohabitation avec la régulation qui va avec, où on accepte de parler du loup comme le dernier arrivé, un peu la cerise sur le gâteau, à ce moment-là, on passe du pacte écologique, habiter en précaution le territoire, à un contrat naturel dont parlait Michel Serres, où là, le loup a sa place. Le loup n'a pas sa place dans le pacte écologique, parce que dans le pacte écologique, on choisit avec qui on veut vivre et qui on régénère. C'est-à-dire quand on lâche les bouquetins, on lâche les vautours, globalement, on choisit. C'est l'homme qui choisit. Quand le loup arrive, c'est autre chose. Et donc, le passage culturel du pacte écologique au contrat naturel, c'est celui de l'acceptation de la manière d'être vivant d'autres représentants comme le loup. Donc on va voir, il y a des signes de cette évolution culturelle et de ces premiers pas vers des pratiques symbiotiques, c'est-à-dire vers le symbiocène. J'ai proposé, je ne suis pas le seul, un cinquième collège aux quatre collèges dont je parlais tout à l'heure, qui est le collège des non-humains. Et là, forcément, c'est déjà une belle évolution que de ne pas entendre un refus global de cette proposition. Parce qu'en fait, quand on fait des propositions innovantes, il faut tester l'acceptabilité culturelle
de cette innovation. Alors, quand on parle du cinquième collège, on va parler de la rivière, on va parler éventuellement des castors, on va parler de tout ce qui est revenu et de ce qu'on a remis, le gypaète barbu, les vautours. Et on parlera à un moment donné du loup, parce que le loup en fait partie. Mais en tout cas, mon espoir, c'est déjà que le cinquième collège fonctionne, que tout ce que l'humain va faire, il va le faire dans une présence juste par rapport à les autres non-humains. Et si on arrive déjà à s'ajuster avec les autres non-humains, et on a... La rivière en fait partie, hein. C'est une rivière sauvage aujourd'hui. Les sols, la bataille des sols a été vraiment une belle victoire. On est sur cette voie qui me fait dire que l'échelle territoriale est la bonne échelle terrienne pour commencer à être habité par la terre de façon respectueuse. Et c'est la condition certainement pour faire les premiers pas de cette époque de l'Anthropocène au Saint-Miocène. Et donc le loup sera très significatif et très révélateur de là où on en est dans ce cheminement. Le loup est entré dans ma vie comme dans les pans de ma maison.